L'œuvre de Saint-Denis Garneau nous rappelle sans cesse l'extrême importance qu'il accordait au regard comme moyen de connaissance. Ayons pour départ les choses mêmes que nomme le poète, qu'il nous soit permis de faire à l'inverse cette fois le trajet de son regard sur le monde. Je marche à côté d'une joie. J'entends mon pas en joie qui marche à côté de moi. Je marche à côté d'une joie à moi que je ne puis prendre. Je marche à côté d'une joie à moi que je ne puis prendre. Un jour, Saint-Denis Garneau a été l'un de nous, parmi nous, celui que la solitude devait enfermer peu à peu, comme une proie, demeure, grâce à ses poèmes et à son journal, une présence réelle, fraternelle au milieu de nous. Sa douloureuse expérience humaine nous a été communiquée sans rémission. Son œuvre agit en nous et nous force à tout remettre en question. Face à celui dont la joie s'est perdue sous les pieds d'un étranger qui prend une rue transversale, entreprendrons-nous la patiente, dure, ardente quête de nos droits de vivant, de nos pouvoirs de poète, à même la terre des hommes. Un jour, pourtant, il n'y a eu qu'un enfant. Un tout petit enfant, au regard premier sur toute chose. Saint-Denis Garneau est né à Montréal le 13 juin 1912, dans une maison de la rue Saint-Luc. Son père, Paul Garneau, était fils du poète Alfred Garneau et petit-fils de l'historien François-Xavier Garneau. Sa mère, née Hermine Prévost, descendait de Nicolas Juchereau de Saint-Denis, vainqueur de Phipps et premier seigneur de Fossambeau. La petite enfance du poète s'écoula à Québec et à Sainte-Catherine de Fossambeau, tandis que son père s'efforçait de cultiver la terre qui entoure le manoir. Ne bougez pas, je suis profondément occupée. Un enfant est en train de bâtir un village. C'est une ville, un comté. Et qui sait, tantôt l'univers. Cet enfant qui joue à bâtir l'univers observe de tout près le déroulement des saisons. Il sait déjà qu'en ce paysage menacé par l'eau et la forêt, toute œuvre à faire l'est contre d'étranges forces obscures.
La moindre tentative de possession, d'accomplissement, ne semble-t-elle pas vouée d'avance à quelque douloureux échec? Ne nous a-t-on pas enseigné que la vraie vie était absente et qu'il s'agissait d'être au monde comme n'y étant point? Cette conquête intérieure de ses moyens de vie et d'expression, Saint-Denis Garnot l'a tentée jusqu'à l'éclatement de sa vertu de vivre, lui qui, entre tous, avait reçu le don de poésie pour voir la terre, l'aimer et l'exprimer, tandis que parallèlement mûrissait en lui le doute, l'interdiction, le goût de la mort et de l'envers de Dieu. Les Garnot retournent vivre à Montréal. Saint-Denis étudie au Collège Sainte-Marie. Il y restera jusqu'en 1934, le médecin lui recommandant du repos à la suite d'une attaque de rhumatisme cardiaque. Un jour, la voix d'un professeur s'éleva par-dessus les voix quotidiennes. Elle parlait un étrange langage que quelques-uns entendirent comme une parole capitale. Plein d'étincelles magiques et des parcelles d'or ainsi qu'un sable fin étoile vaguement leurs prunelles mystiques. Maison familiale, avenue Olivier. Saint-Denis a quitté le collège. Longue soirée, souvent jusqu'à l'aube, auprès d'un phonographe, en compagnie de quelques amis très proches. L'amitié, la poésie, la musique s'offrent à eux ferventes, exigeantes. Saint-Denis Garnot, Jean Lemoine, Robert Élie, Claude Urtubise, Robert Charbonneau, Paul Beaulieu fondent la relève, s'engagent dans une même recherche à plusieurs voies. La vie se joue sur des plans multiples. 1935, esquisse en plein air. Saint-Denis Garnot commence son œuvre littéraire qu'il accomplira en 3 ans. Mais laissez-moi traverser le torrent sur les roches. Par bon quitter cette chose pour celle-là, je trouve l'équilibre impondérable entre les deux. C'est là, sans appui, que je me repose. Mes enfants, vous dansez mal. Il faut dire qu'il est difficile de danser ici, dans ce manque d'air, sans espace qui est toute la danse. La ville coupe le regard au début, coupe le regard manchot. La ville devient de plus en plus oppressante pour Saint-Denis. Il s'échappe vers la campagne et goûte parfois une fraîcheur de commencement du monde. C'est un peintre qui part en rêve et part en chasse, le pas allègre, un œil attentif et l'autre en joie. Les mots, la couleur, le dessin
autant de moyens d'expression donnés à Saint-Denis pour saisir les paysages de la terre et leur donner vie à nouveau. Mais tout est menacé par l'intérieur. Le goût de la joie se retire à mesure. 1937, publication de Regards et Jeux dans l'espace. Saint-Denis-Garneau a l'impression d'être offert sur la place publique, jugé et condamné. Les critiques ne comprennent rien à cette poésie nouvelle qui, sous les mots les plus simples, déplace toute chose. Le poète voit dans cette attitude la confirmation de son propre jugement destructeur. Il doute de son pouvoir sur la beauté du monde. Au début de l'été, il quitte Montréal en route pour la France. Il ne peut supporter le choc de cette rencontre avec un pays de civilisation mûre. Autour de lui, l'art et la vie s'épanouissent, lui apportant un surcroît d'angoisse, décuplant ce déchirant sentiment d'indignité, d'impuissance qui le ronge. À Chartres, pourtant, il trouve un moment de grâce et de paix. Parti pour un an, il revient au pays après 3 semaines et se réfugie à Sainte-Catherine. Retour au port de notre désolation. Retiré de la haute mer. De tous nos voyages sur la mer vaste et claire. Je songe à la désolation de l'hiver, seul, dans une maison fermée. Cette année 1937 a été mauvaise pour le poète. 2 événements extérieurs, la publication de Regards et Jeux dans l'espace et le voyage en France, se sont retournés contre lui, confirmant la réprobation et l'angoisse intérieure. Ses plus beaux poèmes lui paraissent faux par le cœur. Il craint une seule chose, non d'être méconnu, non d'être refusé, mais d'être découvert. Comme si à la racine même de son être, il y avait faute, imposture. Il se sent traqué comme un criminel. Cet impitoyable sentiment de culpabilité ira grandissant et peu à peu rendra insupportable toute démarche de poésie et de vie. Saint-Denis passe des moments de plus en plus longs à Sainte-Catherine. Le soin du jardin, les promenades dans la forêt, la compagnie de son chien, lui tiennent lieu de présence. D'amitié. Il écrit encore des poèmes, rédige son journal. Il s'interroge, attentif au drame qui le déchire, supportant un surcroît d'angoisse à cause de l'appel longtemps irrépressible en lui de son pouvoir de poète, celui de nommer la vie et la mort, le bien et le mal, l'obscur et le clair. Dans la nuit qui tombe et le silence qui vient, vainement, il tente d'identifier son mal, la vie en lui devenant si restreinte que seule la grâce de Dieu pouvait vivre de cette détresse. Le journal se termine en janvier 1939 et l'on ne retrouve plus de poèmes écrits après ce temps-là. Les parents de Saint-Denis décident de quitter Montréal tout à fait et viennent vivre au manoir en compagnie de leur fils. Celui-ci retrouve un instant la paix de l'enfance et s'attache aux menues tâches quotidiennes comme si le salut pouvait venir des gestes les plus simples. Et pourtant, lorsque la table est mise, parmi l'humilité du monde,
La voix de l'angoisse se fait entendre à nouveau. Quand est-ce que nous avons mangé notre joie? Où est-ce que nous avons mangé notre joie? Qui est-ce qui a mangé notre joie? Car il y a certainement un traître parmi nous qui s'est assis à notre table. Le poète fait l'inventaire de ce qui lui reste, afin de voir ce qui manque, de trouver le joint qui ne va pas, car il est impossible de recevoir si tranquillement la mort grandissante. Saint-Denis Garnot s'ajuste lui-même à cette mort qui prend de plus en plus de place en sa chair et son âme, menace jusqu'à l'image de Dieu en lui. Eh bien, mon Dieu, disent les riches, qu'ils s'en aillent. Ce qui est certain, c'est qu'il ne peut rester. Nous ne pouvons rien lui valoir de terrestre. C'est un pauvre irréparable avec la mort devant soi. Qu'est-ce qu'on peut pour notre ami, au loin, là-bas? Le soir du 24 octobre 1943, Saint-Denis Garnot s'embarque pour une épuisante course en canot sur la rivière. Il avironna sur un très long parcours, mit pied à terre, planta son aviron dans le sable mouillé, gravit la berge. Il lui faudra marcher assez longtemps avant d'atteindre la première maison. Il frappa et demanda à téléphoner. On lui répondit qu'il n'y avait pas de téléphone. Il décida alors, malgré sa fatigue, de revenir chez lui par la rivière. Il refit tout le trajet jusqu'à son canot et mourut sur le rivage d'une crise cardiaque. Il avait 31 ans. Le paysage de Sainte-Catherine, terre de son enfance, pays de sa mère, s'est refermé sur Saint-Denis Garnot et le garde comme son bien. Cet homme a vécu son aventure intérieure jusqu'à l'éclatement de sa solitude dans la mort, parmi nous, face à nous, contre nous. Et sa voix nous atteint comme la première grande voix. À quel prix délivrer de notre pays obscur et silencieux ?